Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures à la marmotte hurleuse sur Taverne à Master. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour, ceci étant dit, on se replonge dans notre aventure. Mon objectif pour le moment, ça serait de balancer une fête... Une célébration de victoire de bataille. Pour ça, il nous faut encore des petits pois. On n'est vraiment pas au point en ce qui concerne les petits pois. Parce que les 40 clients gold nous permettraient d'avancer fortement sur une recherche à celle du nouvel étage. Et si on arrivait à en plus à grignoter sur les chercheurs, ce serait sympatoche. Allez, c'est parti, nouvelle journée, se défendre, préparer une corbeille de fruits, organiser un événement et servir 50 clients. En attendant, est-ce qu'on peut faire... oui, il y a un événement spécial aujourd'hui. La fête ordinaire, il me semble, hein. On est mardi 17. Ah non, c'est demain la fête. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est des petits pois. Encore. On va faire ça. On va voir si on peut l'organiser tout de suite. Est-ce qu'on en a assez? Oui. Allez, c'est parti. Parfait. Voilà une bonne chose de faite. D'ailleurs, là-dessus, est-ce qu'on a de la place? Non. Pas de place non plus. D'accord. On va voir qu'on attende. Notre taverne, une fois de plus, est pleine. Le menu est vaste et varié. Et j'en suis très content. Il nous reste quelques recettes à débloquer. Mais hormis ça, on en a pour la plus grande part. Et on commence à avoir quelques petites 2 étoiles à droite, à gauche. Là, d'ailleurs... On n'est pas très très loin, hein, vu de la deuxième étoile. Et on commence aussi à avoir pas mal d'argent, ce qui me ravit. D'ailleurs, on va faire le plein ici. Hop. J'aime pas quand on manque. Prestige aussi augmente tout doucement, on s'achemine vers les 5000 points. Un de nos employés a pris un niveau, c'est Lorraine. Lorraine, voilà. Tu montes par là. On peut avoir un nouveau chef. Et pour ça, il nous faudrait dans la cuisine acheter comment ça s'appelle, un comptoir. Et on peut en avoir qu'un. Peut-être plus tard, des comptoirs plus grands. En tout cas, la journée s'est terminée avec un profit de 996. C'est pas terrible, ça. C'est toujours mieux que les 1085 d'avant, mais c'est parce qu'on avait dépensé beaucoup. Allez, cela dit, sans préambule. Hop! Tu crois quoi, toi, le voleur? Ça, c'est parfait. Ça nous offre un nouveau sol. On organise un événement une fois, c'est parfait. On est déjà plus qu'à 5 points du petit bonus d'argent. Hop, événement réussi. Pas de place pour stocker. Est-ce qu'on veut de la viande? Ouais, on va tenter. Hop, c'est parti.
50 gold. Qu'on ne pourra pas faire avant un bon moment. Là, est-ce qu'on peut faire? On fera ça. 80. On va plutôt partir là-dessus. À la fête du travail. Allez, on refile ici. C'est la fin d'une journée. On aurait pu faire quelque chose de mieux que ça, hein. 57 balles? Aïe aïe aïe. Ouais, c'est parce qu'il y avait un événement. Là, il nous faut des gros événements hein, si on veut gagner de l'argent. Là, les fêtes ordinaires, ça paye plus. Hein. Ouais, 57 balles. Même si on reste dans le positif. Allez, c'est reparti. 117 clients à servir, à se défendre une fois contre les voleurs. Ici on a déjà bien avancé du coup. C'est pas mal. La taverne est pleine là, donc on va gagner pas mal d'argent. Ça va être une bonne journée. Bon, la recherche avance pas tant que ça. On en a peu des clients rares, malheureusement. Et ça, c'en est un par exemple. Qui compte pas. Mais si j'arrivais à terminer cette recherche aujourd'hui, ça serait fat quand même. Du coup, on pourrait se concentrer. Ah non, on aurait encore vendredi. Aujourd'hui ou demain, ce serait bien. Et comme ça, vendredi, on ne s'occupe que de notre événement de célébration. De la victoire de bataille. Et on a dépassé les 10 000. Ça, c'est très bien. Ah, j'ai très envie de mettre des cheminées aussi. Ce serait cool, les cheminées. Dès qu'on aura le prochain étage, on verra combien ça nous coûte. Et là, on fera les rois de la déco, les rois de la réno, hein, dans le même épisode. On va se faire un plaisir. D'ailleurs, là, on en est où? J'ai pas de stock pour ça. Pour ça, j'en ai. Okay. Ça, j'en ai également. Donc on pourra lancer de nouvelles choses, par exemple ça, 120 et 80, on essaiera de lancer ça au prochain épisode, enfin au prochain épisode, la prochaine journée plutôt. On gagne 1700, plutôt bien. Ok, alors on va commencer par ça, les 120. Ah, bon bah voilà, ce sera tout. Cette place là, j'en ai parfait. Il m'en manque plus que 6, s'il vous plaît. Oh, hôtel, voilà qui est très 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 intéressant. Stockage de barils également. Nouvelle cuisine, grille de barbecue.
Petit mobilier d'hôtel, gros meuble d'hôtel. Oh, ça, ça va être génial. Ah, on a réussi des choses. Servir 117 clients, parfait. Là, on en est loin. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on cherche. Pour l'instant, on cherche à aller vers la célébration pour avoir le nouvel étage et avoir suffisamment d'argent pour pouvoir l'aménager selon nos envies. D'ailleurs, j'aimerais regarder en termes de recherche. Il y a combien d'étages? Ok. Donc le prochain étage, ça sera quelque chose d'un peu plus luxueux avec une partie hôtel, hein, je pense. On va voir comment on fait ça. Là, on varie fil. Ici aussi. Là. La taverne tourne très bien, j'en suis très content. Un spécial escalier large, escalier, escalier. Ah. Une chose là. Bar, ça coûte 200. Bureau de recherche. De la journée se rapproche. On a un bon petit pécule là de 11 000 balles. On va bientôt mettre à profit. Notre groupe à demeure. Ah, la recherche est terminée. Parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Pile poil au bon moment. Toi, tu vas venir ici. +21 clients par jour. Allez, on refile encore. On sera au taquet pour demain. Parce que demain, c'est le grand jour. C'est la célébration de la victoire de bataille. Donc, on a gagné 878. C'est sympathique. Hein. C'est pas fou, mais sympa quand même. Ok. Allez. Alors, on va mettre en pause. Tu vas aller nous chercher du poisson? Non. Protéger les roues. Ah, on est un peu trop juste. Bah, ou des fraises, tiens. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Gagner 2500 en une journée. Qu'on peut faire là, par contre il y a beaucoup de gens qui arrivent. Tous les clients ont été servis, vous avez gagné 1000 comme récompense. Yes, ça compte dans les 1000. Yes, ouais. Ah oui, mais il y aura que ça aujourd'hui puisqu'il y a, c'est une fête spéciale. Et là normalement je pense que ça devrait être bon là. La recherche, ouais, on est bon là normalement. Tout s'est servi. On gagne de l'argent. Je sais pas si on en gagne suffisamment. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Hein. Ah, quoique, ouais, s'il est 14h, ça va le faire. Ça va le faire, on va faire 3 et on va y arriver directement ici, c'est parfait. Ce sera la journée parfaite, moi j'espère. Là on est 4h30, on les a pas là. Parfait, ça c'est fait. 550 de plus. Au menu. Il y a des choses qui montent, le ragoût de petits pois notamment.
combien de prestige pour attirer des clients comme ça? Oh, la recherche est terminée. Magnifique. Alors, on met en pause. On va même commencer ça, à faire les chercheurs. Du coup, on peut commencer à faire un nouvel étage. C'est la fin de la journée. Parfait. On a gagné 3544 aujourd'hui. Vous obtenez ces invités spéciaux en organisant des événements et en amélioration l'évaluation de la nourriture. D'accord, ok. Étage. Alors, ce qu'on va vouloir spécial. Ou bien on veut des escaliers normaux. Oui, on voit à quoi il ressemble, la différence entre les deux. Alors, ce qu'on va déjà faire, étage. Texture des murs. Construire déjà des murs. Ok, très bien. On va passer à l'étage du bas aussi. On va faire ça. On va faire comme ça. Ici, ok. L'escalier, on va le faire venir par là. Comme ça, construire. J'ai besoin d'un escalier, s'il vous plaît. Spécial, escalier large. Voilà, ça me semble pas mal ici. Ah, ça passe pas? Si, ça passe. Si on monte. Yes, l'escalier est bien là. Du coup, ce qu'on fera, on va anticiper déjà. Alors évidemment, du sol. Texture au sol. Alors, du bois plus clair ici. Parce que là, ce sera... Ah, seulement 4. D'accord. Non, alors on va pas faire ça comme ça. Du sol, s'il vous plaît. Ça coûte rien, hein. C'est pas un souci. Parfait. Donc c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, du 6. Et la longueur 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Donc dans tous les cas, on peut pas avoir quelque chose de symétrique. Pour mon plus grand malheur, j'aime ce qui est symétrique. Pas grave. Ce n'est pas bien grave. Construire, on va faire des murs. Non. Comme ça. Pas très cher les murs, surtout qu'on peut les détruire et le faire et les refaire à loisir. Voilà, donc on va faire des chambres ici. Ici il y aura deux chambres. Voilà, des portes pour les chambres. Les portes sont ici. Parfait. Donc seulement deux chambres pour commencer. Ça, ce sera deux grandes chambres. On va mettre deux petites chambres ici. Voilà. Elles ont leur porte ici. Du coup, on va également placer un spécial. On a le droit à un deuxième bar, il me semble. Voilà. Le deuxième bar, il sera là. Voilà. Un podium de musiciens, bien évidemment, ici. Ensuite, on va avoir besoin de tables. Alors, ce qu'on va faire. Des petites tables devant là. Non, ça me convient pas ça. Juste comme ça, voilà, encore une petite. Parfait. C'est pour deux. On n'a aucun doute là-dessus. Hein. On va mettre des petites chaises en bois. Voilà, très bien. Ensuite, on va vouloir quelques tables. On va dire des tables robustes. Hein. Ce genre de jolies petites tables. Ça avec des bancs de luxe. Alors là, ça va me coûter un bras. Voilà. Alors, on a besoin de lumière aussi. Donc on va rester sur les petites bougies. Hein. Les bougies, on aime bien ça. Mettre une là. Oui, on va en mettre une là. Parfait. Là, on est bien.
Ok, du coup, il va nous falloir un nouveau barman. Alors, l'humeur diminue plus lentement de 20% chaque jour. Gagne de l'expérience deux fois plus vite. Peut porter 8 boissons en même temps. Allez, on va t'embaucher, toi. Très bien. Il te faut un baril de bière, de limonade, il te faut ça. Waouh, ça vaut cher. Il faut qu'on recharge tout. Et il me faut des nouvelles serveuses. Pourboire pour chaque plat servi. Humeur qui n'est pas affectée par le nettoyage, oui. Il m'en faut une deuxième. Conseil 3. Allez, je t'embauche. Il m'en faut une troisième. Ok, là on est pas mal, il nous reste 3000 balles. Petit souci, pourquoi mes portes ici là? C'est censé être des portes, hein. Ça. Très joli. Pourquoi je peux pas le faire ici? Parce que j'y ai mis une foutue bougie. Ah oui, là ça le fait pas. On va faire autre chose, hein. On va s'en occuper différemment. Ah non, ceux-là sont mieux. On va détruire. On veut des trucs un peu plus classe quand même. Voilà. Et ceux-là sont un peu plus classe à 40. Voilà. Ok, c'est carrément plus classe même. Du coup maintenant... Lumière. Oui, je pouvais le mettre là. Mais j'aurais pu... Non, je pouvais pas le mettre là, bon. Là on est pas mal quand même. Là on a quoi? Fait les plats principaux pendant la journée. Non. Non, 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 non. Là on est bien. On a une fête du travail qui approche. Ouh là là, ça fait beaucoup de clients tout ça. En termes de recherche, ouais, il nous en faudra 100 ici comme ça. C'est ça qu'on fera la prochaine fois. Bon. Ça va avancer. On va descendre. Il nous reste 2000 balles. Ça on n'a pas terminé. Ça on peut pas les prendre. Ça on peut les prendre. Oui. C'est ça. Voilà, très bien. Moi, ça me va. Allez, lançons.
Dès qu'on aura un peu d'argent, on essaiera de remplacer ces tables-là là, par des tables de meilleure qualité et nos bons aussi. De visiteurs par jour, ça donne quoi à l'étage? Ça a de la tronche, hein. Ça a vraiment de la tronche. Je suis vraiment très content du résultat. Cependant, non, on fera ça à la fin de la journée. Essayer de changer le look un petit peu. Quoique ça on peut déjà le faire, texture du sol pour les chambres. Voilà, ça c'est les chambres de luxe. Et puis ça c'est les petites chambres normales. Voilà. Ça c'est pas mal. Ah, le menu, les légumes, soupe de légumes qui augmente. C'est vrai que c'est pas tip top, on va le remettre comme c'était, hein. Ouais, je suis pas convaincu là. Voilà, ça coûte rien donc c'est pas grave. En bas, normalement il est censé y avoir du monde tout en haut, hein. Il sert pas grand monde lui, hein. Bon, on va partir là dessus léger pour commencer. Ok, c'est la fin de la journée. On a gagné 1346, d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on aura des plats principaux pendant toute la journée. Donc évidemment, on va vouloir faire ça. Donc les plats principaux, hein, c'est les rouges. Dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour optimiser ça. Plutôt que de le faire manuellement à chaque fois. Donc là on est bon, c'est du rouge, c'est du rouge, c'est du rouge, que du rouge, que du rouge. Là on est bon, ok. Ensuite, ici, les cidres à hydromel, 1500 balles. Waouh. On refill. Et là on est pas mal, hein. Alors là en termes de diversité on fait le grand chelem, hein. Et évidemment on n'a plus d'argent. Bon allez, on va relancer une petite journée. Ah non, certainement pas, merci le garde. Ah bah ouais, non franchement ça m'aurait fait mal. Ok. Célébration de victoire de bataille, c'est ça qu'on voudra. Donc il va nous falloir. Ok, ça on récupère. J'en ai plus là de disponible. Aïe. Tiens, va me chercher ça. Pas assez de place pour stocker. Dommage. Là on en a toujours pas assez. Alors, on a quelqu'un qui a pris un niveau. Wharton. Servir à tous les étages. Alors, non. Seulement le premier étage.
Voilà. Toi. Seulement le deuxième. Seulement le premier. Seulement le premier. Seulement le premier également. Lorraine. Premier. Marion, le premier. Et enfin les trois dernières. Le deuxième étage. Le deuxième étage. Deuxième étage, merci. Ok. Et on n'a pas vu la journée passer. Là, le but, ça sera d'acheter exactement le même assortiment de boissons pour l'étage supérieur. Très bien, là on gagne. Oh, il y a eu du niveau de prix. Tous les étages, oui. Vitesse, plats principaux. Tous les étages, oui. Ah, ok. Si on a réussi à faire quelque chose. Oui, plats principaux. Parfait. On va relancer une petite journée. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Les voleurs ne servirent que des plats principaux. Une fois de plus. Ça, c'est réussi. On veut ça. Parfait. L'aventure est réussie. Il nous faut 50. Oh, dommage. Mais 98% de chance de réussite. On va prendre. Et on va préparer notre événement pour le vendredi 27. Il nous en manque encore. Mince. Dommage. Vraiment dommage. Bon. Cela dit. Premier étage. Viens là. On achète. Et on rend. J'ai pas de quoi remplir. J'ai pas de quoi remplir. Oh. Malheur de malheur. J'augmente les tarots. Pendant un événement, d'accord. Ok. Oui, bah oui, je suis au courant. On manque d'argent. Hein. Il y a un événement aujourd'hui. Allez, ça nous permettra peut-être... de remplir l'étage 2. C'est pas plein, mais presque. Remplir 1300. Pouf. Ok, là je me sens mieux. Tout est rempli partout. 91 sur 100, s'il vous plaît. Pas grand chose quand même. Pas assez de stock. Mettre des tables supplémentaires là. Aïe, aïe, on est un peu trop juste hein, pour servir 100 clients de ce calibre là. Non, je pensais qu'on avait ce qu'il fallait. Hein.
Peut-être que j'ai la place de remettre encore des tables comme ça. On en remettra une troisième. Je pense 3, ça doit pouvoir passer. Les clients ont été servis, magnifique, 800 balles de récompense. Là, je suis très content. On a gagné 960, ça c'est bien. On finit de tout nettoyer. Tout vaut 7. C'est fou ça. J'ai les prix. Ah, c'est parce qu'il y a un événement, c'est pour ça que ça coûte un certain prix. D'accord. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Il y aura eu des grands changements à la marmotte hurleuse. Dans tous les cas, n'oubliez pas le clap, commenter, liker, vous abonner, partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.